Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille et on se retrouve donc aujourd'hui pour le premier retour de Brocante depuis la rentrée. Alors comme vous pouvez le voir, on a pas mal de choses. Alors déjà on a ce paquet de cartes là, donc on va regarder tout ça ensemble. On a un bon gros paquet de codes que je vais vous en donner un. Alors lequel on va vous donner? Toc 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 toc. Allez hop, on va prendre celui-là. Hop là, un petit booster XY point furieux pour le premier qui regarde cette vidéo. Voilà, donc tout ça c'est pour moi. Et ça sera dans une prochaine vidéo où on pourra voir tous ces petits codes en train de s'ouvrir. Ensuite, nous avons donc trois petits jetons. Un petit jeton Pikachu, un petit jeton Mewtwo, mais c'est une autre forme, mais je ne pourrais pas dire laquelle. Et un petit jeton Mega Ectoplasma, si je me gourre pas. Donc voilà, déjà, ça c'est fait. Ensuite, nous avons juste un petit cahier de règles Heart Gold et Soul Silver d'échaînement. Voilà, donc avec NT et Raikou. Voilà, il est presque neuf. D'ailleurs, je sais pas si c'est moi ou si c'est un défaut, mais je sais pas pourquoi là c'est retourné. Les dernières pages sont à l'envers. Ensuite, bien évidemment, quelques protège-cartes Dracaufeu. Voilà, elles sont jolies. Et on va maintenant commencer au plus intéressant, c'est-à-dire les cartes. Alors, hop, on va prendre tout ça dans l'ordre. Alors, on va commencer déjà avec quelques tops. Donc, les cartes, ça c'est vraiment les cartes. Voilà, quelques cartes tops. Donc, ce sont vraiment les cartes que j'ai eues pendant mon enfance. Et donc, ça me fait plaisir quand j'en retrouve. Parce que je les trouve vraiment super bien. Donc voilà. Donc on a un petit Tentacruel, Sabelette, Nidorino, Colossinge, Magnéti, Ossatueur. En plus elles sont pas dégueulasses, hein, elles sont pas toutes pourries. Machoc, Aspico, Ammonita, Hypnomade, Ammonistar, Roukoul, hop, et Rakaillou. Ensuite on a quelques cartes. Quelques wizards. Alors, une petite carte copieuse. L'aime-me. Hop. Une petite low class holographique. Pyroli en reverse. Tritosaur en reverse. Ectoplasma en reverse. Arcana. Dracolos FB en reverse. Énergie cyclone. Métamorphe en reverse. Électrode. Mouflaire. Archéodon, Fortress G, Coquillas Espèce Delta, Charter, Goupix en reverse, Aquali, Niveau Max en reverse, hop là, Chiamine en holo, boule de nœud, Gros Ray, Oursaring, Gardevoir, que j'avais pas beaucoup de cartes Gardevoir, Noix de Coco, Nidoqueen, Florizarre, très belle carte, Maganon, en Nolo, dommage que ce soit un peu rayé, mais c'est pas grave, elle est belle. Les Venards, ah oui, ça c'est les cartes McDo qu'il me manquait, donc là, normalement, j'ai fini, en quelque sorte, les cartes McDo 2018, avec les Venards, Machoc, Passe Rouge, Tarzal, Croquin, Bébé Caille, et voilà, donc là on a fini McDo 2018. Après, il me manque forcément les quelques reverses encore. Enfin, quelques, il me manque la majorité des reverses. Mais ça, ce sera plus compliqué. Donc, le petit Haut Massacre, enfin, un Haut Massacre stylé, parce que je n'en avais pas non plus. Donc, ça, c'est nickel. Et Clamiral. Hop là, deuxième tas. Hop. On va aller un peu plus vite. Alors, nous avons... Ouh là là. Hop, Grenousse, Marisson,
Cocotine, Dardanian, Charmillon, Moonja, Hypnomade, Fermite, Symbios, Fenard, Givrali, Énergie de danger en reverse, Noix de coco, encore une petite noix de coco, Méga Turbo, Exagel, hop, Gros Ray, Aquaquac, Delcati, Base secrète de la team Magma, en reverse, Kaimorst de la team Aqua en holo, Mediena de la team Magma en reverse, Grotanmorg de la team Aqua en holo, hop, un petit Aquali qui s'est glissé au milieu. Alors, entretien de Léo. Alors, j'aime beaucoup ces cartes là avec c'est l'une des seules, je crois qu'il y a deux séries qui ont ce contour. Et franchement, je trouve ça super sympa. Énergie électrique, transfert, Machoke de la Team Rocket, Électrode Obscure, Malos, Teddy Ursa, Umbrellex. Alors là, on a quelques wizards visiblement. Récupérateur, Starry, Coquillas, première édition en fossile. Alors, comme la dernière fois, visiblement décoloré par le soleil, mais je les trouve presque plus stylés comme ça. Otaria, Rhinastock en reverse, sympa. Hop là. Donc celle-là, elle est un peu abîmée, mais un Pyroli Jungle, c'est toujours sympa. Rose Bouton en reverse, Poké Plus, Poké Guérison Plus, Evental Holo, Raikou Holo. Ah ah ah, vous avez été spoil! Ectoplasma et la petite surprise de la brocante, Bruivern Turbo. Ah là là. Donc je crois que c'est l'une de mes premières turbo. Je crois que j'en ai déjà eu une il n'y a pas longtemps. Donc soit la première, soit la deuxième turbo. Je sais même plus. Et franchement, ça c'est super cool. Donc on recommence bien comme il faut les brocantes. Et comme vous avez pu le voir, quasiment tout le paquet, c'est presque que des rares. Si vous avez fait attention. Parce qu'il ne me manque presque que ça. J'ai regardé sur Pokécardex. La majorité de mes séries sont à 100% pour ce qui est des communes et des Unco. Du coup, il me manque que les rares et les ultra rares. Donc ça va commencer à être cher. Sorboule en reverse, Absol en reverse, Krabos, Crapustule, Fourberie de la Team Rocket, Énergie Flash, Énergie Danger, encore Énergie Flash, Fortress, mais dommage, elle est en espagnol ou portugais, j'avais pas fait gaffe, Pandarbar en holo, Latias en holo, Crefalet en holo, une carte promo, Evoli holo, carte promo, hop, Chevroom, Noisier, Luxray en reverse, Caravanache en holo, Galeking, Voltali en holo, oh, Arcanin. Le Prédastéry, enfin, je vois son évolution à Vorastéry. J'en ai tellement de cartes de Vorastéry. Et enfin, Prédastéry est tombé en brocante. En reverse. Très bien. Nidoking, Karchakrok, Moonja en reverse, Regice en reverse, un petit Raichu évolution, Tyranocif en reverse, Spectrum, Melo, Chamalo, Terral, Énergie, Combat de la série Noir et Blanc. J'ai presque fini cette série d'ailleurs aussi. Hop, Lambré, Mont Abrupt, Système à haute pression, Miroir d'argent, Insolourdo, Kenotor en reverse,
Grigri Protecteur Anglais, Vigoroth et Mastou. Ah, et Ronflex et Sapero. Et on finit par un petit tilton en reverse. Voilà, voilà, pour la première retour de Brocante. Vraiment, un bon paquet de rares qui rentre dans la collection. Et ça, c'est toujours bien. Ah, 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 attendez les amis, attendez, j'ai oublié quelque chose. Je suis un peu con. J'ai oublié que j'avais aussi trouvé deux classeurs. Ah là là, la vidéo, vous avez le droit à une petite tente de vidéo bonus. Donc voilà, j'ai eu deux classeurs supplémentaires. Donc avec Evanthal et Xerneas. Alors normalement, je crois qu'ils sont vides, ouais voilà. Donc celui-là, il est vide. Bon, ils sont un peu abîmés, mais bon, pour 1€, moi je m'en fous. Hein, parce que au moins... Ah voilà, et le deuxième, on a Lucario et... Merde. Comment il s'appelle, lui? Ouh là là, ça doit être Mega Scarino, je pense, ouais. Un truc comme ça. Je vous avoue que je l'ai jamais vu. Et lui, ça doit être Mega Lucario aussi, je pense. Ah, visiblement, là, nous avons des cartes. Des petites évolutions sympathiques. Avec un petit Aquali, Pyroli, Philali, Noctali, Mantali et Nymphali. Et voilà. Donc là, cette fois, là... Je sais pas s'il y a des holos ou quoi. Bon, visiblement, il y a rien d'holo. Voilà. Cette ouverture est officiellement terminée. Donc, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et moi, je vous dis... à la prochaine pour plus de vidéos. Salut les amis!